L'histoire de cette aventure tient à plusieurs paramètres. Il y avait à la cartoucherie 6 harpes qui étaient implantées. Parallèlement, il y avait un Fab Lab et il s'avère que nous avions un bâtiment à Blagnac et je leur ai proposé de venir s'installer. Tout ça a permis de créer des espaces sur les nouvelles pratiques urbaines. Il y a quelque chose qui est en construction autour de la rue, autour des espaces qui ne sont plus les espaces dédiés avec le pignon sur rue, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus spontané. Et il s'avère que nous avions un local qui était les anciens ateliers municipaux de la ville de Blagnac qui jouxte une usine. Et là, c'est l'idée qui est née de dire ben, on peut en faire un tiers-lieu. Qu'au fond, on pourrait appeler ça l'auberge espagnole. Parce qu'un tiers-lieu, c'est chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre. Le projet a pris le temps de grandir pendant plusieurs années, jusqu'à l'année dernière, à l'arrivée du Fab Lab de la MJC sur le site, avec cette idée de créer de la dynamique avec le quartier, les habitants. On souhaitait être accompagnés, on ne se sentait pas de partir tout seul. On savait qu'il y avait cet accompagnement avec Toulouse Métropole qui avait sollicité toutes les communes. Nous, on a sauté sur l'occasion. Cet accompagnement est très bénéfique pour nous parce qu'au fur et à mesure où le projet grandit, on se sent soutenu. Et on avance, on ne rate pas les étapes, voilà. Notre attente, c'est aussi d'encourager encore plus le lien social. Notre attente, c'est aussi que ce tiers-lieu permette, quand on a des discussions, des débats, de faire passer un certain nombre de messages sur nos valeurs, les valeurs d'humanisme, les valeurs de solidarité, les valeurs de respect des autres. Voilà, c'est aussi ça, on va créer un espace de convivialité sur ce lieu. Donc nous, c'était important d'aller voir les riverains, les habitants, et de discuter avec eux de ce qu'ils avaient envie d'y voir dans ce projet, de ce qu'ils avaient envie d'y faire. Donc il y avait un peu cette idée d'avoir les arts et les sports urbains. Donc on a la chance d'avoir le collectif de graffeurs autour de CISART. Il y avait aussi cette volonté de dépolluer et de travailler sur la végétalisation du site, mais aussi sur d'autres formes d'économie circulaire, sociale et solidaire, et d'avoir un pôle réemploi. L'originalité de ce projet, c'est qu'on a dû mettre en place une gouvernance collective. Donc cette gouvernance, bien sûr, s'appuie sur la ville de Blagnac, puisque ce sont la ville des propriétaires de ces lieux. Mais à côté de ça, donc, on a créé un comité de résidents avec les différentes associations qui sont parties prenantes. Une gouvernance coopérative, pour moi, c'est d'abord la participation de tous les acteurs de façon régulière, les décisions soient réellement partagées et collectives. Mais on a cheminé. Au départ, on a dit on ne veut pas d'association là-dedans. Et puis bon, en fait, on a reçu la MJC des Arts, on reçoit le Repère Café. Ce n'est pas un problème qu'il y ait des associations. En revanche, il faut que ces associations comprennent qu'elles doivent accueillir des personnes qui ne sont pas adhérentes de leur association. Le plus important, c'est ça. Il faut avoir cette ouverture-là. L'apport important dans ce tiers-lieu de ce mode de fonctionnement est que les différentes associations s'investissent dans le partage d'informations et dans la création des événements. On évite ainsi des doublons qu'il pourrait y avoir au niveau de certaines activités, de certains événements, et chacun s'investit pour le bon fonctionnement et la visibilité du site. On est au début de l'aventure. On n'a pas encore lancé les appels à manifestation d'intérêt, les travaux de mise aux normes des hangars. On voulait quand même commencer à vivre, à faire vivre le lieu et à le faire connaître. Donc on a créé les éphémères. Tous les deux mois, on a un rendez-vous public. On a autour d'un petit moment convivial, de petites restaurations, nos activités du Fab Lab, de Repair Café, de l'aérochrome avec CISART, et ce qui nous permet de faire vivre le lieu en parallèle des travaux et du développement du projet.